Je suis Aldaïra de Vega. Grâce à une technologie d'imprégnation éthérique de quatrième densité. Je suis Romy de Vega. En effet, cela a été, comment dire, un bon entraînement pour cette nouvelle phase du programme. Je suis Romy de Vega. Elle est rendue possible par une micro-mutation dirigée de votre complexe génétique qui favorise la co-création et le développement d'un réseau très complexe de mycélium, genre de trou de ver, selon une trame cryptée qui nous permet de vous contacter plus facilement. Je suis Aldaïra de Vega. Pas tout à fait, car il est multifonction. Mais à ce stade du développement de votre génome, cela correspond à ta description. Je suis Romy de Vega. Oui, cela est une sorte de manifestation via le tissu multiversel et multidensité, une forme de co-création mutationnelle. Je suis Aldaïra de Vega. Cela a été rendu possible avant tout car tu as donné une totale permission par ton libre arbitre pour nous permettre des échanges d'informations en double sens. Je suis Aldaïra de Vega. Oui, en effet, cela a particulièrement correspondu. Je suis Romy de Vega. Les menhirs de Lambert, comme vous les dénommez, ont été transformés en portails interdensité, et cela a favorisé la manifestation d'un vaisseau de structure organique de densité supérieure pendant quelques secondes de votre ligne temporelle d'évolution. Je suis Romy de Vega. Oui, elle a provoqué un front d'ondes scalaires qui a ouvert le portail interdensité. Cela a été d'autant plus aisé que la planète que vous nommez la Terre est en quatrième densité transitoire et non stabilisée. Je suis Aldaïra de Vega. Après le scan de ta psyché, nous pouvons affirmer que cela se rapproche d'une sorte d'antivirus universel qui prépare un nouvel ensemencement ontogénétique de la nouvelle noosphère. Que l'amour de Vega t'accompagne.